Silence. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperai bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Hmm? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux, crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur ? Comme nous tous. Détache-le. Alors, c'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne. Oh, tais-toi, blabeur. Allez. Bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Oh, peu voyons. Comme tu voudras. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyr. D'installer ton atelier dans ma forge. C'est pas parce que je t'ai embrassé que j'ai pardonné aux jumeaux Bécasso pour autant. On a tout réparé. Alors si tu veux aller te balader entre les royaumes, fais-toi plaisir. Pardon ? Ma famille est ici. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais ça représente beaucoup pour moi. Pour moi aussi, je te ferai dire. Ou j'aurais pas pris la peine de me rabibocher avec mon empoté de frangin. Par les rayons de la lune! Je savais pas que les frères Uldr étaient de retour aux affaires! On habite même ensemble, comme une vraie famille. Alors, viens pas me faire la morale! Oh, dans ce cas, donne-moi un coup de main à la forge pendant que tu me racontes tout ça!